novembre 2023. Vous allez la presse parler, écrite, télévisée, en ligne. Maintenant là, réveil national pour souveraineté d'Haïti. Vous présenter la presse, parler, écrite, télévisée. Opposition sortie de crise, côté après deux journées de retraite, nous avons travaillé en atelier et puis nous arrivons à coucher avec une proposition de solution. J'aime te dire là, déjà, opposition sortie de crise. Et avant pour nous présenter l'opposition sortie de crise là, nous avons deux fois pour nous présenter le comité central et avec un pilote parti politique, dirigé parti politique et organisation sociale de base qui travaillent ensemble pour dire accoucher, grossir et soutenir ça pour nous servir la nation. En premier lieu, nous avons le secrétaire général. C'est Monsieur Joseph, coordonnateur général, qui c'est Monsieur Joseph, la copine pour que tout le monde voit. Chantel Joseph. Deuxièmement, nous avons un général adjoint, qui c'est coordonnateur, qui c'est Monsieur Sétamor Delice. Troisième monde que nous avons, nous avons un coordonnateur général adjoint toujours, c'est Monsieur Fito Lafleur. Quatrième monde qui est secrétaire exécutif là, c'est Abel Oston, monde qui a parlé là. Cinquième monde, secrétaire général à notre organisation, c'est Fepler. C'est ici. Et enfin, septième monde, c'est Monsieur Sauveur des femmes. Qui joue le rôle conseiller spécial. Conférence de la presse aujourd'hui à là, nous constatons comment le pays a effondré. Chaque jour plus, nous avons mouru en bas bandit sans foi ni loi. L'État haïtien faillit à mission. Quand les taux de façon augmenté, le peuple n'a pas de pouvoir d'achat. C'est la vie chère, le goût, l'insécurité, le phénomène qui n'a pas de qui ne va jamais camper parce que pas de l'État et pas de gouvernement qui peut camper le phénomène. L'insécurité qui n'a pas de qui donc, après plusieurs jours de réflexion, deux journées d'atelier, plus de 27 partis politiques avec organisation sociale, parmi les partis politiques, il y a des solutions. PAM, PAAM, Consortium, HPC, Grandi, Foul, GD, DH, NODRA, CNPPH, WON, Conscience Citoyenne, ACD et NPPH. On côté JPR, parmi, je ne vais pas citer les 27 ans, mais parmi 50 ans, parce qu'il y a un pile, qui est qu'on a mis ici, mon vitre est là, forme de bout, fait de pas, on a fa, modo, il n'a faute, on pile d'autres encore. Qui donc, qui te réunit pour les pièges de ça, pour nous être capables de sortir une proposition, sortir des crises. Qui donc, tout le jour dit, nous dit que le réveil là, Seigneur, souci politique qui nous dit, qui va permettre que pour nous dire, les arrivées pour la situation changer, les arrivées pour que la sécurité soit capable de payer, les arrivées pour que notre état et de gouvernance soit capable de payer. Parce que je me dis, tout le monde a réfléchi, tout le monde a critiqué la mauvaise gouvernance qui vient de payer. Nous ne pouvons pas supporter ça, nous ne pouvons pas d'accord, je vais aller voir. Qui donc, après plus de 24 mois, le gouvernement, ça, tout le jour d'hier, le peuple a dit c'est assez, Abraham dit c'est assez, nous ne sommes pas capables. Dans ce sens-là, le réveil national, là, dans tout le pays d'Haïti, qui est établi dans quatre pays d'Haïti, et bien nous venons dire, le peuple ici, tout le jour d'hier, il faut que nous allons gober pour nous sortir de la race économique que nous avons aujourd'hui. Là. Nous allons gober pour que notre état de droit dans le pays. Nous allons gober pour que ça change. Nous allons gober pour nous dire, les arrivées, faut que
Haïti, Canada, pour que jeunes ne parcourent quitter le pays, aller dans leur pays, pour être dans le pays. Pour le monde, madame, continuez le canal, et fouillez plus le canal toujours. Pour monsieur Bessabio, continuez à supporter, parce que déjà, nous commençons à prendre dignité nous, la bataille pour nous reprendre la souveraineté nous, mais c'est dans nous-mêmes, dans l'unité, ça, la fait ensemble, pour nous capables de dire Haïti. Pour y sur le bon côté que nous avons dit vraiment à bien production nationale en deux pays, contre le tout petit pays. Guido, nous, on va faire place avec nous, ne pas parler, qui c'est M. Fidel Chézier, qui va présenter la position sortie de crise de réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Merci. Responsable du réveil national. Haïti tout entier, bonjour. Suite à l'intervention faite par notre secrétaire exécutif, la personne Abel Loriston, je prends la parole en qualité de porte-parole, moi, Fédéric Servizier, pour proposer au nom du Réveil National la proposition de sortie de crise du Réveil National pour la souveraineté d'Haïti. L'an 219e de l'indépendance d'Haïti, le peuple haïtien, par la voix du mouvement politique dénommé Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, tire la sonnette d'alarme pour se faire entendre haut et fort. Depuis 1986, le pays se trouve dans une situation infernale d'ingouvernabilité, ce qui a occasionné à son tour une crise sociétale. Réveil se définit et s'impose comme une force politique et sociale non négligeable. L'expression de la volonté populaire pour faire passer chacune des revendications du peuple haïtien. Soit par la voie électorale, soit par tout autre consensus de bonne gouvernance visant les vrais problèmes de la population. Surtout et avant tout, le retour à l'ordre constitutionnel et à la sécurité de chaque vie et des biens. Depuis l'assassinat rappeleux du président en exercice Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, a plongé le pays dans une crise sans précédent qui paralyse le fonctionnement régulier de l'État, anéantit l'autorité de l'État, incapable d'enrayer le phénomène de l'insécurité qui fait rage sur toute l'étendue du territoire national. Préoccupe la communauté internationale qui entend nous accompagner dans la résolution de la crise. Considérant le Premier ministre et nombre d'acteurs politiques ont paraphé plusieurs accords, tels l'accord 11 septembre, l'accord 21 décembre 2022, ne donnant lieu à aucun dénouement de la crise sociopolitique aiguë qui sévit dans le pays. Considérant l'échec du Haut Conseil de transition HCT dans sa tentative de respecter l'article 5 de l'accord du 21 décembre 2022, considérant que les pourparlers entre les représentants des différents organismes internationaux tels l'ONU, l'OEA et la CARICOM et certains acteurs de la classe politique n'ont pas été fructueux, peine perdue. Considérant la prolifération des gangs et des groupes armés, terrorisant toute quiétude de la population haïtienne et les citoyens d'outre-mer, sous les impuissants et complices des autorités. Considérant la confusion régnante exige un plus large consensus et un dépassement entre les citoyens pour adresser les problématiques. 1. De l'insécurité, notamment le kidnapping, le vol, le viol et l'obstruction à la libre circulation des personnes et des biens. 2. Du dysfonctionnement du système judiciaire. 3. Des milliers de femmes, d'hommes et des enfants qui ont dû fuir leur quartier envahi par des bandits lourdement armés ou prendre refuge dans des camps de fortune, places publiques, écoles, églises, etc. 4. De la répartition des infrastructures détruites lors des catastrophes naturelles, notamment le palais national, détruit lors des tremblements de terre de 2010, ou encore 2010, et les milieux bâtiments
fragilisée encore, habitée par les propriétaires. 5. De la réforme constitutionnelle. 6. De la justice sociale. Dans le rétablissement de la vérité historique. 7. De l'organisation des procès pour crimes financiers et crimes de sang, généralement quelconque. Considérant l'actuel Premier ministre, de fait, Ariel Henry se révèle incapable de juguler la crise, voire d'organiser les élections. Fort de toutes ces considérations, après 2 jours de retrait, le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti adopte et propose à la nation un plan de sortie de crise avec un pouvoir exécutif bicéphale présidé par un haut conseil présidentiel et un premier ministre. Point d'attente. Mise en place d'un conseil présidentiel composé de 5 membres choisis comme suit. Les 3 membres du haut conseil de transition, HCT, 1 représentant du Grand Nord, 1 représentant du Grand Sud. Mission principale du gouvernement. Rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. 2. Adresser les grands problèmes économiques et sociaux afin de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections générales inclusives et transparentes. Petit A. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement en application de la feuille de route. Petit B. Les fonctionnaires de l'administration seront nommés sur la base du mérite et non en représentativité de leur chapelle politique. Ce, conformément à la loi sur la fonction publique. C. Renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en mettant beaucoup plus d'emphase sur l'unité de lutte contre la corruption ULCC, l'unité centrale de renseignement financier UGREF et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA. Feuille de route de la transition. 1. S'assurer de la libre circulation des citoyens, des biens et des services sur toute l'étendue du territoire. 1. Renforcer de la capacité opérationnelle des forces de sécurité du pays. B. Rétablir du climat d'apaisement sur tout le territoire national, particulièrement dans les zones de non-droit. C. Sécuriser les vies et les biens sur toute l'étendue du territoire national. D. Garantir l'approvisionnement régulier du marché en produits de première nécessité, dont les produits pétroliers. 2. Lutter contre le trafic illicite, la contrebande et les sécurités. 1. Contrôler rigoureusement les ports, aéroports et postes frontaliers. F. Renforcer la capacité de perception de l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts. G. Gérer de manière rationnelle les recettes des organismes autonomes tels APN, AN, OFNAC, etc. H. Redresser l'administration publique en passant par la lutte contre le clientélisme et le népotisme. 3. Procéder à la formation de conseils électoraux. Telle est, mesdames, messieurs, pour vous, la proposition de sortie de crise du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Réveil national, Réveil national, Réveil national, Réveil. Et déjà, nous faisons place à notre président. Pour faire la visite de salle, peut-être dans l'objectif. Le premier objectif là, c'est présenter à la nation, à la presse, les membres du directoire de cette plateforme politique. M'a précisé pour la presse que nous gagnons un comité exécutif, mais tout le monde s'est sous panel là pour faire partie du board qui a dirigé la plateforme politique, ça, ici. Réveil national de la souveraineté. Et je vais demander à mon bonjour pour nous applaudir. Son beau travail. Le travail de toute la terre.
de groupes qui n'ont pas gagné même une tendance politique, qui idéologiquement en pile dans nous opposés. Mais pour le bien du pays, nous devons peut-être nous rassembler. Ma précision pour nous dire, réveil national pour la souveraineté de l'Haïti, pas un mouvement de notre. Ce n'est pas un mouvement créé pour dans deux jours nous disparaître. Mais il a créé, il a accompagné la population. Yes. Pour nous gommer par côté peuple, je dis, qui l'a vu pour contre lui. Pour que nous cherchions l'autre frère, accès à la paix politique, mais qui nous a pour comprendre la nécessité pour nous mettre ensemble. Pour nous faire des bagailles au pays, hein? Eh bien, mission, c'est ça, c'est rassembler le maximum de monde possible, le maximum de groupes organisés possible, parce que nous avons une solution à problème de pays, nous-mêmes haïtiens, nous capoter, nous peut-être pas de plein engagement. Et bien, je vous dis là, je vais là. Nous venons lancer un appel solennel à toute bouche dans ce société pour nous prendre conscience aujourd'hui que la majorité des gens qui vivent dans le pays aujourd'hui la vivent sans espoir. En pile, freine accès aujourd'hui, il a dormi à la belle étoile. Abandonner pour des détails, nous obliger, abandonner tout ça au début comme activité, parce que phénomène de sécurité là, tout le monde préoccupe à couvrir tout côté du pays. Et bien, réveil là, nous-mêmes, en tant que monde qui a fait politique, en tant que groupe organisé, nous avons une mission pour nous prendre bâton pèlerin nous. On a la bataille pour retirer la population. Bravo! On a lancé, même appel ça, à tout frein accès à la place politique. On a plus que deux ans de discussion par un pile, en rien va sortir, la population a trouvé la place. Pour nous dire, appel à lancer pour nous rejoindre nous autour de Tabsa pour nous faire un front commun pour nous résoudre le problème. Réveil là, après son appel, à continuer dans ce qui appelle ça, à faire accès qui est un samnomé dans le quartier, cap terroriser propre frère accès. Cap fait mon madame petit toi souffrir. Yo même tout le monde nos situations côté nos prisons côté là. On nous dit yo, c'est pas pour ça ça c'est. On nous dit yo, c'est pas ça n'a donne de yo. Jodi a nous mandé tout le monde ça. Déposer les armes, pas que la chance. Pays à le vivre, nous voulons vivre. Mais ce n'est pas non tirer une sous l'autre, ce n'est pas non assassiner une l'autre, n'a pas résolu le problème. Mais c'est là, on mise en commun de toute sa lumière. Son prise de conscience qui vous prend pour sortir. Mais vers là, à penser après ça, tout le monde est dit, il n'y a pas capable encore. Peuple là, fatigué. Pour mon coup à coup qui fait, pour nous déposer des côtés hache de guerre là, pour nous suspendre pour nous contre l'autre, pour nous accepter pour nous une à l'autre, à côté l'autre, pour le pays, parce que nous l'aide. Nous l'aide dans ces sociétés. Mais vers la main de nous, il faut que nous fassions commun pour nous. Bagaille au moins petit
BVLA annonce que bientôt, nous allons présenter avec la presse un calendrier d'activité. Côté nous allons mettre le pays à debout. Côté nous allons conscientiser la population. Parce que nous disons, nous bouquons, les arrivés, nous ne sommes pas capables encore. Il faut que Haïti sorte côté de nous. Je m'appelle dire, ce n'est pas Zan qui a fait le ciel, c'est la presse. Là. Yes. C'est nous-mêmes qui avons fait la politique. Là. C'est nous tous qui pouvons être ensemble pour nous sauver. Et bien nous-mêmes, en de réveil là, nous engager. Nous pas d'accord. Il y a toujours les petites nous. Et nous pas voulons d'accord tout. Il y a toujours les petites nous. Nous pas d'accord. Pour toutes jeunes, celles espoir au gagné, c'est quitter le pays. Et nous pas voulons d'accord tout. Et si pas d'accord, rejoignez-nous. Nous bataille ça. Une bataille ça, son bataille fougère. Faites la vérité. Nous ne sommes pas d'accord pour militants qui ont pour le chaque jour. Et nous ne sommes pas jamais un résultat de bataille. Et nous ne sommes pas vous d'accord. Et nous demandons tous les militants, rejoignez-nous. Bataille ça, on l'autre fois. Ce n'est pas bataille réveillée. Bataille ça, ce n'est pas bataille petit groupe. C'est bataille pour sauver le pays. C'est bataille pao. C'est bataille panne, c'est bataille balle. Amis, frères, camarades, nous qui vivons dans la diaspora. Nous connaissons qui bouquet avec cette diaspora. Nous demandons, côté nous, rejoindre le réveil. Et nous allons garantir le réveil là, à rassembler toutes les forces vives du pays. Nous allons être commission ça et nous allons libérer le pays à bientôt. Merci.